c'est Corbier, que je salue, il est là-haut, qui m'avait dit, tu verras un jour, il y aura un président de la République qui sera fan du Club Dorothée. Ben, c'est Macron. Oh. Ah oui, non mais c'est ça, c'est arrivé. Ouh, pinaise, on est dans la loi des séries. Et des bisous à tous. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver, il est 17h30, on est sur VL et je suis ravi d'être avec vous pendant une heure jusqu'à 18h30 et aujourd'hui, quel plaisir, vous l'avez peut-être entendu dans cette chanson, on va recevoir quelqu'un que j'avais envie de recevoir depuis très 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 longtemps, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et d'ailleurs il n'est pas tout seul en studio, je vais vous les présenter dans un instant, mais je suis ravi de t'avoir avec nous, bonjour Jackie. Bonjour Alexandre, ça va? Mais tu m'aimes beaucoup, tu dis ça parce que je suis là non? Pas du tout, non, en général j'invite tout simplement pas les gens que j'aime pas. Bah ouais, moi j'aime bien inviter les gens que j'aime pas. C'est vrai? Bah t'es venu non? Sur EDF. Et voilà, ça commence très fort. C'est pour donner le tempo. Non, je suis ravi d'être là. Ouais, voilà. Je suis très content. Je sais, je vais avoir une chaîne, Jackie Family, je vais faire comme toi. Jackie Show, le retour. Jackie Show, le retour du retour. Et Jackie qui est tous les soirs à l'antenne sur IDF1 dans Jackie Lave Plus Propre. Oui. Qui est le successeur du JJDA. Voilà. Qui existait sur IDF1 aussi. Oui, oui, j'ai changé le titre. Oui. C'est la même chose, je suis un escroc. Non, j'ai un peu rafraîchi l'émission. Pourquoi ça change d'ailleurs? Tous les ans ou tous les. Non, écoute, ça fait 10 ans que je fais l'émission, j'ai changé au bout de 5-6 ans. Voilà. D'accord. Puis j'ai changé de décor aussi. C'est les cycles. Voilà, c'est un cycle. Sinon, c'est la même. Tu l'as fait l'émission. Et c'est super. C'est de lavage. C'est un cycle avec un décor de machine à laver, ça ne me semble pas. Bravo. Ouais, bah voilà. Bravo, jeu de mots, attention. Oui, non, je sais. Tu sais pourquoi Jackie l'a plus propre? Non. Parce que le rire est le propre de l'homme. Oh. Ah ouais, pas moi qui l'ai trouvé, c'est Jean-Luc Azoulay. Ah. Mais comme c'est le patron, bon, je le garde. On va le garder, ça peut toujours servir. On va évidemment parler, revenir un petit peu sur tout ce qu'a fait Jackie. Je le dis, à 18h30, notre playlist 100% de la loi des séries sera consacrée à tous ces artistes dont tu t'es occupé, Jackie, parce que ça nous permettra aussi de mentionner cet aspect-là de ta carrière. Oui. On va parler, on va entendre du Serge Gainsbourg, on va entendre du Rod Stewart, on va entendre du Bob Marley, on va entendre plein de choses comme Bachung, ça. Bachung, j'espère aussi. Et du Bachung, évidemment, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup aussi. Genesis, Elton John. Et tout. Oui, tout. On a une demi-heure pour tout. Ouais. Mais je vais vérifier ce que tu passes. Mais j'espère. Ok, bon, pas pression maximale, c'est pas grave. C'est très important. La force des 45 tours, c'est que parfois, il y a un titre comme ça qui prend le lead. Et puis il y en a un derrière qu'on oublie un peu. Mais il y avait une phase B aux 45 tours. Oui, c'était Étienne Dao. Ça s'appelait Cache-cache dans l'espace. Oui, Cache-cache dans l'espace. Et c'était composé par Étienne Dao et Arnold Turboust. Bah tenez, ça donnait ça, Cache-cache dans l'espace, écoutez. Oui, moi, Étienne, c'est les phases B. Hein. Bah oui, j'adore. Cache-cache dans l'espace. J'adore Étienne Dao. Bah oui. Un copain aussi. Pas mal quand même, hein. Ouais. Chant fort. Dao pour écrire ses titres. Ouais, je trouve ça pas mal. Hein. C'est pas mal, Jackie. Non, mais... Arnold Turboust, j'aimais bien aussi. Ah ouais. Adélaïde, il a fait quelques années plus tard. Duo avec Zabou. Tu te souviens pas de Adélaïde? Zabou de Récré à deux. Adélaïde, oui, vous êtes duo avec Zabou. C'est fou. Tu chantes bien, Billy, toi. T'as jamais fait de chanson? Oui, ils t'ont pas fait. Ils t'ont si, j'ai fait le générique de la Billy Dimension. Ah oui, Dimension, générique de Yapi. T'as une très très belle voix. Merci. On va le faire chanter. Moi, je l'ai fait chanter depuis longtemps. J'ai fait des cours avec Madame Charlot. T'as connu Madame Charlot? Oui. Madame Charlot. Non, mais ça s'entend. Pas Monsieur Charlot, pas Charles Chaplin. Madame. Pas Charlie Chaplin, Madame Charlot. C'est pour ça qu'il est un peu Charlot, Billy. Récré à deux, Vitamine. Moi, j'ai souvenir de Vitamine. J'ai fait un an de Vitamine. On va peut-être en parler après. Je veux pas casser ton conducteur. Non, mais Vitamine. Oui, Billy, tu parles de Vitamine. Il vient en parler. Mais oui, allons-y, parlons de Vitamine. Tu lui niques son émission. Il y a eu beaucoup d'enchaînements d'émissions jeunesse sur TF1 avant que le Club Dorothée n'arrive. Il y a eu évidemment la grande période Christophe Izard. Et puis il y a plein d'émissions qui sont succédées, dont Vitamine. Salut les Mickey, il y a eu plein de choses comme ça. Salut les Mickey. Et Vitamine. Tu as pris le relais. Alors, à Karine Cheryl ou t'es arrivé avant? Je vais te raconter, moi je suis allé en éclaireur à TF1, un an avant le Club Dorothée. J'ai remplacé Karine Cheryl qui partait, qui en avait marre. Moi à l'époque, on m'a supprimé Platine 45, donc je suis allé voir Jacqueline Joubert. Je lui ai dit, écoutez Jacqueline, voilà, j'ai plus Platine. On me propose d'animer une émission sur TF1, mais qui est le rival de Récré à deux. Elle m'a dit, vas-y. Voilà. Donc j'y suis allé. Et j'ai fait un an Vitamine. Et au mois de mars 87, j'ai su que Vitamine allait s'arrêter, mais on m'avait dit de ne pas le dire, et que ce serait remplacé par une émission. À l'époque, je ne savais pas que c'était le Club Dorothée, mais je savais que je faisais partie de l'histoire avec Dorothée. Voilà. Roule dans la TF1 privatisé. Vitamine. Je suis resté un an. Voilà. Et c'était une super émission, Vitamine. Bah oui, j'ai adoré. Ah ouais, bien sûr, c'était très pop, très coloré. Moi, j'ai fait qu'un an. Hein. Ouais, c'était très sympa. 10 ans d'antenne, 10 ans de folle. Voilà.
par cours parce que 30 heures par semaine, 30 heures par semaine tous les jours, tous les jours, remplir. Animateur aussi du Club Mini avec ah oui, c'était Club mythique. Mini. Club Mini avec Ariane. Avec Ariane. Ah, on rigolait. On avait des fous rires quand on enregistrait ça. On avait des peluches plein partout sur le plateau. C'est-à-dire que Jean-Luc fallait qu'il invente. Il y avait la case du matin, donc on a créé les petits Club Mini. Oui. Après Dorothée matin, après Dorothée Noël, après Dorothée vacances, après Dorothée. Non mais les clubs Dorothée vacances, c'était toutes les zones en plus. Mais oui. Un mois d'émission, on parcourt le monde. Matin et après-midi. Ça c'est bien quand même, on parcourt le monde pendant des années. Oui, c'était le dromadaire extraterrestre, s'appelait ça Arak. Qui était fait par Jean-Luc pour la voix, c'est vrai. Non, avec, oui. Et pour revenir au Jackie Show, enfin, moi, ce que j'avais toujours entendu, c'est que toi, ça te manquait d'avoir ton émission musicale. Mais je l'ai eu tout de suite. Hein. Et que Jean-Luc t'a créé le Jackie Show finalement. Ouais, d'ailleurs, peut-être était plus proche de ce que tu faisais avant, dans les débuts, en accueillant des stars internationales avant de recevoir plutôt les stars. Mais années, Jackie Show, ça a démarré en même temps que Club Dorothée. C'était un deal avec TF1. C'était, tu recevais tous les stars, premier Vanessa Paradis, tout le monde. Au début, parce qu'à la fin c'était. À la fin il y avait Bernard Minet, donc. Voilà. Non, à la fin, au début j'avais les Stray Cats, j'avais même Alain Bachung, et puis à la fin il y avait Bernard Minet, Christophe Rippert et Anthony Dufresne. Je me souviens de la tête de Jackie quand on lui donnait les noms des invités. Enfin, je les aime bien, mais bon. Oui, voilà. C'était moins prestigieux, on va dire. C'est autre chose. Il y avait même le musclé, quel bonheur. La fête au village, tout ça, enfin des trucs que j'aime, quoi. J'écoute chez moi en boucle. Bon.